souhaites profiter du fichier, le fichier source ou le fichier installable, choisis une offre, un niveau de souscription et obtiens le fichier source ou le fichier installable. Pour tous les niveaux de souscription, tous ceux qui vont souscrire à un niveau inférieur au niveau 3, c'est-à-dire donc, voici pour tes tutos niveau 1, niveau 2, vous allez bénéficier du fichier installable de l'application et en fonction du produit que vous allez choisir, d'un avantage exceptionnel. Pour le niveau 3, vous bénéficiez automatiquement du fichier source. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la possibilité de souscrire directement via YouTube. Pour les autres, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp dans les différents liens qui seront dans la description et on pourra échanger sur la possibilité pour vous d'obtenir le fichier source avec accès à tout le code. Je rappelle que l'application est développée en Windows 24 et donc est accessible à toutes les personnes qui ont des versions Windows 24 et plus. Alors, choisissez l'une des souscriptions. Ça peut être un don simple. Ça peut être juste merci pour le tuto niveau 1. Alors, pour tous ceux qui vont accéder, qui vont souscrire à la chaîne, c'est-à-dire pour soutenir mensuellement la chaîne, vous aurez droit à la suite de la vidéo qui va aborder la question des dépenses, des montants qui ont été cotisés, mais aussi des autres revenus tels que les dons ou les autres revenus liés à d'autres activités hors cotisation. Je vous invite massivement à vous abonner et surtout à souscrire à la chaîne pour son évolution. Merci. Alors, bonjour, chers abonnés, chers apprenants, chers amoureux de la programmation en WinDev. Nous allons, à travers cette vidéo, développer une mini-application pour la gestion des cotisations des membres. En fait, cette application va s'orienter effectivement sur la gestion des cotisations. On va parler trop dans d'autres choses, dans d'autres paramètres. C'est vraiment le recouvrement uniquement. On va pas intégrer la partie dépenses, tout ça. C'est uniquement le recouvrement que cette application va prendre en compte. D'abord, dans un premier temps, le recouvrement de tout ce qui est fonds liés aux cotisations, donc des cotisations mensuelles, et le recouvrement de tout ce qui est dons ou autres sources de revenus. D'accord? Donc, dans ce contexte-là, nous allons ouvrir notre application WinDev. Ici, moi, je développe en WinDev 24. Et donc, si vous avez une autre version, que ce soit une version antérieure ou une version supérieure, je pense que le projet est fait pour tout le monde. Première des choses, c'est de créer le projet. Alors là, nous allons cliquer sur le bouton Créer un projet. Ainsi, la fenêtre apparaît. Dans le cadre de WinDev, les applications développées sont pour la plupart des applications Windows. Je pense qu'ils n'ont pas encore mis en place un outil de développement pour les Mac. Donc, nous allons nous contenter des versions Windows ou Linux. Donc là, je clique sur ce bouton et il y a une fenêtre qui va apparaître afin de spécifier les informations du projet. OK, donc la fenêtre d'assistant de création de projet est ouverte et là nous avons six étapes. La première étape, c'est de donner un nom à notre projet. Ici, nous allons faire simple, nous allons mettre cotisation membre. Après, on pourra donner un nom un peu plus intéressant à notre projet. Pour l'instant, nous allons mettre juste cotisation membre. Ensuite, on va cliquer sur suivant. On nous demande de joindre des documents. Moi généralement, je passe cette étape. Alors, c'est une plateforme Windows. Donc, il conserve le choix par défaut. Suivant.
Et donc là, nous allons passer à une autre étape. Je pense à l'étape 2. Je ne sais pas pourquoi ça tarde comme ça avant de s'afficher. Oui, les options sélectionnées par défaut sont les bonnes. Il s'agit d'une application avec exécutable Windows 32 bits et exécutable avec fenêtre. Là, nous sommes plus dans une logique des temps anciens pour manipuler que des codes. Il faut des visuels. Donc là, on choisit l'exécutable avec fenêtre et on clique sur suivant. Le GDS, bon, le GDS, c'est vraiment pour un travail collaboratif. Et je pense qu'après, arrivé un moment, ça te fatigue tellement que tu n'en as même plus besoin. C'est bon de choisir, non, ne pas utiliser le GDS. Mais je conseille à ceux qui veulent l'utiliser de bien s'informer, de bien se renseigner sur tous les aspects de ce volet. Suivant, oui, utiliser la charte de programmation. Effectivement, la charte de programmation, c'est une manière d'identifier chaque objet dans votre code, de donner des préfixes prédéfinis pour chaque type d'objet et de faciliter la lecture de votre code. Suivant, nous allons passer à notre charte. Voilà, ici, vous choisissez la charte qui vous sied. Bon, là, moi, je vais prendre ce modèle-là, Active Android 5, et je clique sur Suivant. OK, bon, là, je vais ajouter deux langues, la langue française et l'anglais. Je recherche rapidement. En fait, cette fois-ci, je vais faire la modification comme il se doit. Suivant, oui, effectivement, je vais créer une base de données. Mon projet est un projet qui a besoin d'une base de données pour fonctionner. Donc là, moi, je vais créer ma base de données. Suivant, et là, j'ai le nom de mon analyse qui prend automatiquement le nom de mon projet. C'est de bonne guerre. Je pense que comme ça nous facilite assez rapidement le traitement, la recherche. Et donc, on va conserver. Alors, si vous voulez, vous pouvez donner plus de détails sur votre analyse. Votre analyse ici, c'est votre base de données. En WinDev, au lieu de base de données, il préfère plutôt utiliser le terme analyse, mais ça renvoie aux mêmes choses. On a une base de données qui est composée de plusieurs tables mises en relation. Ensuite, suivant, alors là, vous avez la possibilité de choisir un type de base de données. Vous pouvez utiliser des bases de données Excel, Access, SQLite, même MySQL en mode natif ou Oracle. Alors, de passage, nous allons travailler ce même projet pour ceux qui ont souscrit à la chaîne. Vous allez avoir droit dans le courant du mois de décembre à un projet avec base de données en accès natif MySQL. Comme ça, une fois que vous installez votre application sur votre ordinateur, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, vous avez accès à vos données en temps réel puisqu'ils sont logés dans une base de données PHP MyAdmin. Et donc, je pense que tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne verront en premier lieu ce travail avec les explications, les tchatchs, pour vous expliquer en détail cette façon de programmer, quelles sont les configurations, les paramétrages qu'il faut faire. Alors, je vous invite effectivement à cliquer dans le lien, à vous abonner et à cliquer dans le lien souscription ou soutenir la chaîne. Vous choisissez un niveau qui vous sied et donc on va pouvoir travailler ensemble sur du long terme. La souscription à la chaîne vous donne droit, en fonction du niveau que vous avez choisi, au code source de cette application, petit gratuitement. Pour les autres, vous aurez les détails pour l'obtenir dans la description. Alors, donc là, moi je vais cliquer sur suivant pour passer à la dernière étape et créer mon premier fichier de données. En WinDev, les fichiers, les tables
sont les tables des bases de données, en fait, sont appelées des fichiers de données. La base de données elle-même est appelée analyse et la table est appelée fichier de données. Alors, comme premier fichier de données que nous allons créer, c'est les membres. Voilà, c'est les membres de l'association. Donc là, je fais suivant. Ensuite, je mets membres. Un enregistrement représente un membre. Alors, au niveau de l'identifiant automatique, pour ceux qui veulent faire après des réplications sur serveur, c'est bon de choisir identifiant automatique sur 8 octets. Et ensuite, nous allons cliquer sur suivant. On conserve HFSQL classique. En fait, une fois que tu choisis HF, il ne faut jamais commencer votre projet en choisissant HFSQL client-serveur, même si à la fin, c'est ce que vous souhaitez. Il faut toujours commencer avec HFSQL classique et après la conversion des fichiers en HFSQL client-serveur est très rapide, très facile. Et donc, même la conversion dans les autres versions, ça fonctionne assez vite, assez bien. Suivant et je valide. Alors, au niveau des informations, nous avons l'identifiant du membre. On pourra lui donner un matricule. Ce matricule, il sera automatique. D'accord? Le nom et prénom. On aura le contact. On aura l'email. On aura la catégorie. Et enfin, on aura donc la photo. Donc, matricule ici, clé unique, nom et prénom. Je vais essayer de bien dissocier pour que ce soit intéressant. Nom et prénom, contact, email, catégorie. Auto identifiant des membres. Bon, ça c'est l'identifiant automatique. Hein. Il est d'office clé unique, là il n'y a pas de problème. Et nous avons le matricule qui est le code que nous-mêmes nous allons créer. Il peut avoir effectivement d'autres informations, ça ne gêne pas. On peut toujours les ajouter au fur et à mesure. Pour l'instant, nous allons nous limiter à ces informations. Au niveau de la catégorie, ça sera peut-être. Bon, je vais ajouter une sous-catégorie. Parce que après il faut spécifier, donc là une sous-catégorie, et pourquoi pas le montant de la cotisation. Bon, le montant de la cotisation, c'est à titre indicatif, hein. C'est pour dire ce gars-là, voici le montant qu'il doit pouvoir cotiser chaque mois. Je tiens à préciser que l'application est faite pour ceux qui font des cotisations mensuelles. Voilà, pour ceux qui font des cotisations mensuelles, ils sont en association, donc ils font des cotisations mensuelles. Au niveau de la photo, nous allons choisir le type son image binaire. L'email, bon, là, je vais augmenter à 100 caractères. La catégorie, c'est bon. La sous-catégorie, 150. Le nom et le prénom, 150. Et puis, le matricule, nous allons conserver le matricule à 50. Pour le contact, bon, on pourrait spécifier, est-ce qu'il y a un type particulier pour le contact? Je ne pense pas. On ne va pas aussi mettre du numérique, parce qu'après, le 0 peut disparaître. Donc, c'est bon de conserver en test. Il n'y a pas de problème. OK. Une fois qu'on a ces informations-là, je pense en valide. Et je ferme cette fenêtre pour... En fait, l'idéal pour moi, c'est de pouvoir constituer
dans un premier temps l'ensemble de mes fichiers de données. Je vais pouvoir constituer dans un premier temps l'ensemble de mes fichiers de données. Donc là, je vais ajouter un nouveau fichier. Bon, pour ce fichier, je ne vais pas forcément faire une liaison directe. Je vais ajouter un autre fichier qui est la catégorie. Bon, je ne vais même pas mettre la catégorie comme fichier. Je vais plutôt mettre cotisation directement. Cotisation. Voilà. Toujours HFSQL classique. Au niveau de la cotisation, on aura donc le matricule qui sera ici en tant que clé avec doublon. Ensuite, bon, pourquoi pas le nom et le prénom. Tac. Je prends la même chose. Ensuite, on aura l'année de cotisation qui sera une clé unique aussi. L'année de cotisation, clé avec doublon, puisque on va répéter autant d'années pour chaque membre. Et on va avoir nos différentes dates. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et puis décembre. Bon, je peux bien mettre tout ça en même temps. Voilà, c'est bon. J'aurais pu mettre une base de données plate avec la date, et ainsi de suite, mais bon. Je vais sur la base qu'il s'agit de cotisation mensuelle, donc je ne vais pas vraiment me fatiguer. Tac. Monétaire. Monétaire. Voilà, donc tous les mois ça sera monétaire. Et le total va permettre de faire le calcul total pour chaque membre. Nom, prénom, année. Bon, l'année ça sera une clé avec doublon. Le matricule est aussi une clé avec doublon. On peut même mettre aussi le nom en clé avec doublon. Donc là, je valide, j'ai mes cotisations. Je pourrais m'arrêter à ces deux éléments, mais je pense qu'il est bon quand même de spécifier l'année de cotisation. Voilà, donc année cotisation. Année cotisation. On aura sûrement qu'un seul élément ici, année, qui sera clé unique. Qui sera par contre clé unique. On peut faire la même chose pour la catégorie, hein. On va ajouter une catégorie aussi. Catégorie. Les catégories, c'est un peu du style membre, bureau, membre du bureau, bien membre simple. Voilà, chacun va pouvoir définir la catégorie. Mais par contre, pour ce qui est de la sous-catégorie, ça sera vraiment ouvert, quoi. Ça sera ouvert. Donc là, je vais mettre catégorie. On pourra dire, si c'est dans une entreprise, on pourra dire le directeur, les agents, le sous-directeur, et ainsi de suite. Ou bien grade A3, A4, A5, ainsi de suite. Ou bien B3, en fonction du grade. La catégorie, ça peut être le grade, la catégorie, ça peut être le type de membre dans l'association, ainsi de suite. Voilà.
Donc là, je valide. Ici, catégorie sera aussi clé unique. On ne va pas, on va créer la rubrique ayant les propriétés que vous avez indiquées. Voilà. C'est bon. Et je valide ici. Alors donc, tout est OK. Je pense que on peut effectivement créer des relations entre les deux et les relations entre cotisation et puis année. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais créer une liaison entre la catégorie ici. Alors non, en principe, c'est tac, échappe. C'est la catégorie qui est là qui vient dans membre. Donc, pour chaque catégorie, on a au moins un membre. Pour chaque membre, on a au moins une catégorie. Chaque catégorie peut avoir plusieurs membres. Chaque membre peut avoir plusieurs catégories. Non. Donc là, on va appeler la catégorie membre. Tac. OK. Interdit la suppression d'une catégorie qui a au moins un membre, bien sûr. Et interdit la modification. Mais là, par contre, on va mettre modifier la clé. Et voilà. Donc ça, on a ça. Ensuite, des membres de matricule dans la cotisation. Donc, cotisation, membre. Interdit la suppression des membres qui ont moins une cotisation. Ici, je vais plutôt mettre modifier la clé matricule. Et c'est bon. Et enfin, on va faire la liaison entre année, entre les deux. Tac. Voilà, c'est année, cotisation. Année, cotisation, suivant. Là, je choisis année. Tac. Je peux modifier la clé. Alors, ma base de données est simple, elle est pratique. Voilà, je peux maintenant générer le RAD. Alors, quelqu'un me demandait, mais pourquoi j'aime générer le RAD alors que ce n'est pas parfait? En fait, je ne génère pas le RAD parce que je vais juste utiliser le RAD pour faire comme si c'était mon application. Je génère le RAD pour pouvoir utiliser les éléments qui ont été générés par le RAD dans mon application. Après, j'applique une mise en forme pour me faciliter la suite. OK, le RAD aussi, c'est un outil intéressant, c'est un outil puissant qui nous facilite assez de choses. Alors donc là, je vous invite donc à générer le RAD. Ici, nous allons aller dans le projet RAD complète de l'application. RAD, c'est-à-dire Rapid Application Development, pour développer une application assez rapidement. Pour l'instant, il faut synchroniser la synchronisation du projet parce que la structure a été modifiée. Je dis oui et mon projet est synchronisé. Tac, tac. Oui, autoriser la saisie. Pour l'instant, je vais dire non. Voilà. Ne pas intégrer le groupe, le gestionnaire. La gestion du groupe utilisateur. Oui, je n'intègre pas. Intégrer le menu, non pour l'instant. Je vais faire un truc simple. Et je génère ensuite mon RAD. OK, le RAD, il est généré. On peut le tester. Il va venir forcément avec quand même... Bon, il vient généralement avec des erreurs, mais cette fois-ci, je pense que c'est bon. On a donc les membres, nouveaux membres. Ici, si j'ai fait, voilà, je peux ajouter mon membre sans problème, imprimer, visualiser la fiche catégorie. Il n'y a pas de catégorie pour l'instant, donc je peux en ajouter ici, voilà. Alors, déjà, je pense que mon application est intéressante à voir. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux. OK? Ce n'est pas ce que je veux. On va donc passer à une mise en forme complète des différents formulaires qui ont été générés par le RAD et à une finalisation de mon application.
Alors, tu souhaites profiter du fichier, le fichier source ou le fichier installable, choisir une offre, un niveau de souscription et obtiens le fichier source ou le fichier installable. Pour tous les niveaux de souscription, tous ceux qui vont souscrire à un niveau inférieur au niveau 3, c'est-à-dire dont voici pour tes tutos niveau 1, niveau 2, vous allez bénéficier du fichier installable de l'application et en fonction du produit que vous allez choisir, d'un avantage exceptionnel. Pour le niveau 3, vous bénéficiez automatiquement du fichier source. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la possibilité de souscrire directement via YouTube. Pour les autres, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp dans les différents liens qui seront dans la description et on pourra échanger sur la possibilité pour vous d'obtenir le fichier source avec accès à tous les codes. Je rappelle que l'application est développée en Windows 24 et donc est accessible à toutes les personnes qui ont des versions Windows 24 et plus. Alors, choisissez l'une des souscriptions. Ça peut être un don simple. Ça peut être juste merci pour les tutos niveau 1. Alors, pour tous ceux qui vont accéder, qui vont souscrire à la chaîne, c'est-à-dire pour soutenir mensuellement la chaîne, vous aurez droit à la suite de la vidéo qui va aborder la question des dépenses, des montants qui ont été cotisés, mais aussi des autres revenus tels que les dons ou les autres revenus liés à d'autres activités hors cotisation. Je vous invite massivement à vous abonner et surtout à souscrire à la chaîne pour son évolution. Merci. Alors, dans cette deuxième étape, nous allons passer à la mise en forme de notre questionnaire, de notre application. Je dis de notre questionnaire plutôt de notre application. Et donc, ici, la fenêtre menu sera donc modifiée. On constate que déjà, au niveau de la fenêtre menu, on a un menu qui a été ajouté. Voilà, qu'on peut facilement enlever au niveau de fenêtre. Le menu principal sera supprimé. Il ne m'intéresse pas. Je vais aller au niveau de la description pour modifier certains éléments. C'est vrai qu'ici, on a mis menu. On peut aussi mettre accueil. Bon, je vais laisser menu. OK. Maintenant, ici, au niveau de l'image, changer un peu l'icône. Au niveau de l'icône, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends accueil. Voilà. Tac. Mon accueil, c'est toujours maison. Il n'y a pas de problème. Je vais choisir ce modèle-là. Et je valide. Voilà. Alors, au niveau de la création, ce qu'on va faire cette fois-ci, j'ai bien envie de changer un peu mon style. Je vais travailler cette fois-ci avec les onglets. Voilà, avec les onglets. Tac, je mets mon onglet ici. J'aurai, en termes d'onglets, je me dis peut-être 3 ou 4 onglets. Le premier onglet, je vais mettre tableau de bord. Qui me permet de visualiser en premier lieu toutes mes infos. Le deuxième onglet, ça sera gestion des membres. Allez, on va ajouter un autre onglet pour la gestion des cotisations. Et enfin, un tout dernier pour la configuration. Pour la configuration, ça va nous permettre d'ajouter les catégories, d'ajouter les catégories, d'ajouter les différentes années, de charger la liste des cotisations en fonction des années, ainsi de suite. Voilà. Faut dire que les listes seront affichées en fonction des années. Les cotisations se feront de façon annuelle. Une année, quand on vient à se connaître, une fois que tu arrives au niveau du volet gestion des cotisations, c'est l'année qui apparaît pour te faciliter la saisie pour chaque membre. On pourra même faire les tri, on pourra faire les filtres en fonction des membres pour pouvoir renseigner les informations de cotisation.
Et tout ça pourra se faire directement à l'intérieur sans forcément avoir passé par la fenêtre des serveurs. Ok, donc ici, on peut ajouter des images pour chaque volet. Là, pour le tableau de bord, je vais prendre un graphique. Je prends celui-là. Ensuite, pour la gestion des membres, bien évidemment, nous allons prendre des membres. C'est comme les femmes. Gestion des cotisations. Vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argent. Tac, prends le portefeuille magique. Et la configuration. Donc là, il s'agit du paramètre. Cherche une bonne image. Ok. Donc là, je crois que c'est un peu trop collé. Donc, je vais essayer de mettre 1, 2, 3. 3. Voilà, pour pouvoir séparer un tout petit peu. Comme ça, j'ai mes éléments qui sont là, qui s'affichent. Quand je clique là, tac, tac. Quand j'agrandis, ça s'agrandit aussi. Oui, on a tout ça. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler sur la gestion des membres. Ici, je vais mettre juste une petite fenêtre. Un super champ. Que je vais mettre en bleu, style couleur de fond, je vais choisir le même bleu, voilà, et le rendre en IHM de sorte à ce qu'il s'adapte à l'agrandissement de la fenêtre. Donc je modifie son IHM, son ancrage, pour qu'il puisse s'adapter à l'agrandissement de la fenêtre et je valide. Pour la gestion des cotisations, idem. Je mets ça, tac, description. Bon, avant même de mettre, je vais d'abord travailler sur celui-là. Ajouter. Pour le libellé, je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Général, ici, gestion des membres, où je mets tout simplement membres. Agrandis un peu. Tac, impact. Donc là, ce sont les membres. Bon, malheureusement, au niveau des images animées, je n'ai pas encore vu d'image animée homme ou femme. Bon, en tout cas, quelque chose qui peut représenter un membre, malheureusement. Bon, je peux toujours prendre cet élément-là, représenter les membres. Bon, les images animées sont des images qui bougent, quoi. Ils sont animés. Voilà, tac. J'essaie de. Voilà, on a nos membres. Ensuite, nous allons passer au tableau de bord.
et aux cotisations d'abord. Ensuite, les cotisations. Configuration. Configuration. Et le tableau de bord. Bon, pour la configuration, j'ai bien envie de mettre ça en couleur grise. Là, je vais changer les couleurs en fonction du type. Cotisation orange. Avec une couleur un peu foncée. Ici. Ça, ce sont les goûts et les couleurs, hein. À vous de choisir la couleur qui vous sied. Ok, donc au niveau de la gestion des membres, donc là nous allons aller rechercher la fenêtre table membres tout simplement. Ici, on va essayer de l'adapter assez rapidement. Donc, on a catégorie, je déroule pour prendre du test. La photo là, je vais mettre la photo en premier lieu, juste après le matricule. Au niveau de la table elle-même, je pense que je vais modifier pour mettre ici à 30 et ajouter une colonne conteneur. Voilà. Maintenant, au niveau de la colonne conteneur. Je pense que je vais faire de sorte à ce qu'elles ne soient pas déplaçables ni triables. Voilà, maintenant pour la table, au niveau du style, on peut changer un peu à ce niveau la couleur de fonte. Tac. Et je valide. Imprimer, fermer, tout ça, je n'en ai pas besoin. Par contre, modifier. Je ne veux pas de libellé et j'applique le F4 sur supprimer, comme ça les deux prennent les mêmes caractéristiques. Ici, l'idéal c'est de mettre un carré, donc 24, 24, comme ça je peux récupérer le tout. Oups, 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 oups. Là, modifier ici, supprimer. J'essaie de réduire un peu et je prends mes trois blocs là. Maintenant, je vais réduire ça d'abord. Je réduis un peu l'espace de photo, l'espace de nom et prénom. Je récupère ça, je récupère ça, je copie.
je vais au niveau de mon menu, membres, je peux ajouter mon bloc ici. Et nouveau, lui sera là. Voilà. Donc tout ça, je réduis un peu. Alors c'est la même chose que nous allons faire pour quasiment tous les autres formulaires. Donc là, je pense que on se comprend. Sous-catégorie, la catégorie, et puis le montant de la cotisation. En réalité, vous pouvez envoyer les éléments où vous souhaitez. Donc là, si je fais un clic droit à la description, au niveau des catégories, je vois que le libellé qui a été mis, ça ne m'arrange pas trop. Donc, je vais changer, mettre un bon libellé, et puis nous avons le montant de la cotisation. Le montant de la cotisation, même, je peux le mettre à ce niveau-là. Donc, montant à cotiser. Et je valide. Ainsi, je viens de finaliser le gestionnaire. Bon, pas de finaliser, mais de faire quand même une bonne partie. Là, c'est pour ajouter un nouveau membre. Ceux qui me suivent, ils savent maintenant à peu près comment ça se passe. 30. Ajouter un nouveau membre. Toujours niveau de description. Bon, cette fois-ci, je vais changer un peu l'image pour donner une image qui est un peu plus visible en termes d'image de fond, je veux dire. Donc voilà, je peux bien prendre ça, et puis au niveau du style, je vais prendre une couleur bleue. Voilà. Même au niveau de l'image, le plus je vais changer, je vais mettre ajouter. On va tester pour voir comment ça va se comporter. Ce sont des membres. On va ajouter un nouveau membre. Tac. Donc là, je peux ajouter autant de membres que je souhaite. Après, on verra comment modifier la configuration de cette fiche membre pour faciliter la saisie. Donc, nous allons passer à la gestion des cotisations. Gestion des cotisations. Donc je pense que c'est la même chose que nous allons faire. Ici, il ne s'agit pas de faire des trucs forcément très complexes. Voilà, mais c'est de faire l'essentiel pour que la gestion qu'on vient en faire puisse être effectuée sans problème. Donc là, tac, je vais aller au niveau de la table cotisation, table des membres, je vais prendre un peu le même style ici, table cotisation, je regarde rapidement la taille, 30, ok, je peux fermer maintenant ici, tac, description, matricule, là je mets en test. Année aussi, je mets en test. Au niveau de la table, je vais donner 30.
Je vais insérer à ce niveau une colonne, la colonne conteneur. Voilà, tac. Donc cette colonne conteneur ne doit pas être déplaçable, ni triable, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Bon, pour les noms, matriculement, on n'a pas besoin de mettre matriculement, on met matricule. Et puis pour l'année, je mets année simple. Donc là, c'est l'année concernée par la cotisation. Je vais réduire un peu. Tac. Description. Ok. Donc là, je valide. Je fais la même chose pour les boutons modifier et supprimer. Au niveau du style, j'enlève le libellé et F4 pour adapter. Maintenant, je change les deux leur largeur 24 et je vais récupérer ça. Tac, ici. Tac, ici. Puis, je réduis le tout. Nouveau. Copier. Fin de cotisation. On met. Et j'ajoute ça ici. Bon, là, je prends les mêmes dimensions. Bon, après je pourrais faire la mise en forme de tout ça, pas de problème. Bon, ici je vais essayer d'adapter la longueur, voilà. Je donne les longueurs aussi. Là, c'est pour ajouter une nouvelle cotisation. Tac, je valide. Description. Ici, tel que ça se présente, je peux mettre ça en jaune. Voilà. Et HM. Ok. Là, ça serait un peu visible, quoi. Voilà. Ça m'étonne de faire la même chose aussi ici, mais je regarde d'abord. Et au niveau de la configuration, je vais ajouter
Bon, pour ce qui est de la table année, année cotisation, déjà on essaie de faire un tri. On fait un tri, on va prendre l'année qui est supérieure comme année active. Donc on n'a pas besoin de choses. On va prendre l'année active. L'année active, ça sera automatiquement l'année récente. Voilà, on va pas se fatiguer à faire tout ça. Donc au niveau de la configuration, je pense que je vais juste mettre des boutons. Année. Année de cotisation. Ensuite, catégorie membre. Catégorie des membres. Tac, tac. Description. On va voir que là, je vais faire au niveau de l'IHM, style. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous ajoutez une nouvelle année de cotisation, automatiquement, ça va récupérer tous les membres. Donc, c'est bon de déjà définir tout, d'adresser dans un premier temps tous les membres de votre association avant de passer à la configuration et aux différentes cotisations. Voilà. Configuration, c'est beaucoup plus configuration d'une nouvelle cotisation, année de cotisation. Année de cotisation, on va plutôt parler de configuration d'une nouvelle cotisation. Bon, année de cotisation tout simplement. Et puis catégorie des membres. Donc ces deux éléments-là vont nous permettre d'ouvrir les fenêtres concernées. Donc là, ça va nous permettre d'ouvrir ouvre fen table année cotisation. Et l'autre côté va nous permettre d'ouvrir catégorie. Voilà. Comme ça, on pourra ajouter une année de cotisation. On pourra aussi ajouter des catégories. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de la configuration, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà, vraiment pas grand-chose. En principe, il devait venir en deuxième condition parce qu'il faut d'abord ajouter une année de cotisation avant de passer à la cotisation proprement dite. Mais bon, puisque l'ajout d'une cotisation se fait une seule fois, alors que la cotisation peut se faire à plusieurs reprises, donc là, il n'y a pas de problème. En principe, une fois que vous ajoutez une année de cotisation, automatiquement, les informations se mettent à jour. Il y a deux possibilités, hein. Soit au moment où on ajoute une année de cotisation, automatiquement, la liste, on va récupérer ici la liste des membres sera récupérée et balancée à ce niveau. Voilà. À défaut, on peut laisser comme ça et puis cliquer d'abord sur ajouter une cotisation, choisir le membre s'il est déjà dedans et on fait sa cotisation ou on recherche le membre tout simplement et on essaie d'effectuer sa cotisation. Donc là, on va juste mettre rechercher un membre. Si le membre n'est pas dedans, on va dire ajouter une nouvelle cotisation ou ajouter un membre. Voilà. Je pense que comme ça sera plus parlant. Au niveau du tableau de bord, le tableau de bord va nous présenter tous les membres avec leurs photos et le montant qu'ils ont cotisé. Ou on va mettre toutes les années avec les montants qui ont été cotisés pour toutes les années en tenant compte bien sûr
de l'année en cours ou de l'année qui sera sélectionnée. Donc là, on aura un bouton de sélection, tac, ça nous permet de visualiser les cotisations qui ont été effectuées par tous les membres et par rapport au nombre de mois aussi. On verra par la suite le nombre de mois cotisés. D'abord, ça c'est un. Ensuite, on va avoir les différents montants cotisés par personne. Et on pourra même cliquer sur la personne en question pour visualiser le détail de ses cotisations et imprimer au cas où. Donc ça, c'est vraiment la gestion des cotisations. C'est une gestion stricte des cotisations. Le FEM, je vais essayer de configurer un peu les différentes tables cotisations. Donc, FEM, table année cotisation. Bon, ici, on a seulement qu'un seul élément. Hein. Je vais supprimer tout ça. Tac. Je supprime aussi ici. Description de la table. Je vais mettre ça à 30. Et. Alors, malheureusement, j'ai fermé la table membre. Donc là, je copie le style pour configurer ici. Je vais réduire un peu la table, cette table-là. Alors, ce que je me demande, est-ce qu'il est nécessaire même de faire nouveau tout ça? Année de cotisation. Année de cotisation. Ensuite, au niveau de l'image, de l'icône, catalogue, je vais prendre un truc simple comme ça. Année de cotisation, tag. Je augmente un peu. Ok. Description. IHM, nous allons mettre un curseur, main système. Et au niveau de la fiche, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Fiche année cotisation. On ne se fatigue pas. Tac, tac. Année cotisation. Au niveau du libellé, donc année de cotisation. Image, je vais récupérer la même image. Ça va aussi aller dans la galerie du projet. Comme ça, c'est plus simple. Je valide. Bon. L'année, elle est obligatoire. Hein. Donc, au niveau des descriptions, détails, saisie obligatoire. Et à faire attention à ne pas mettre deux années. Une année qui. Il y a une clé sur l'année. Il y a une clé sur l'année. Donc, on ne peut pas ajouter deux années identiques. Voilà, j'ajoute l'année, par exemple cette année 2022, et je valide. Je peux modifier. Je peux aussi supprimer. Attention, la suppression. Pour la suppression, il faut forcément un message. Si, tac, 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 tac. Donc là, je vais mettre si, oui, non. Attention, la suppression. La suppression de toute
les cotisations effectuées au cours de cette année. Donc, s'il m'a fait ce message, le monsieur il a mis oui, alors on va procéder à la suppression de l'année en question. Attention, la suppression de l'année entraîne la suppression de toutes les cotisations effectuées au cours de l'année. S'il met oui, ça supprime tout. On fera la même chose pour les catégories. Voilà, tac. Après, sur les catégories, hein, moi je pas, je me fatigue pas avec. Je compte ça. Je n'ai pas le même style en termes de taille 30. Voilà, je vais supprimer ça. Tac. Ok. Bon, pour les catégories, on peut supprimer sans problème. Voilà, normalement, ça va pas jouer. Ok, là, nous allons configurer maintenant
la table de saisie des cotisations et de saisie des membres. Donc, la fiche plutôt de saisie des cotisations, je pense que bon, cette fiche, elle est quand même déjà bien faite. Là, il suffit de, je vais enlever ces deux éléments. Tac, tac. Il mentionne nom, le code de l'édition, tac. Je peux supprimer tout ça. Cotisation. Bon. Au niveau de l'image, je vais choisir peut-être dans la galerie, dans l'argent. Je prends pas de cotisation. Je valide. Là, nous allons ajouter un combo qui va nous permettre de récupérer le matricule du membre et son nom et prénom. Je peux laisser comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais lier le combo. Oui. Je lis le combo à la cotisation matricule. Ok. Matricule du membre. Le choix du membre. Donc, choix du membre, ça permet en même temps de récupérer son nom aussi. Le nom et le prénom du membre. On fera la même chose pour l'année. Le nom et le prénom du membre, là, je vais mettre ça ici. Tac, alignement justifié. Ensuite, on aura l'année. Est-ce que je peux mettre l'année, je vais mettre celle-ci. Là, ça provient de l'année de cotisation. Ici, je vais prendre uniquement l'année. Effectivement, le tri va se faire sur la base de l'année. Puis, je vais lier. Tac. Cotisation, je choisis année. Année de cotisation. Alors le choix du membre, lui, on va le rendre invisible. Voilà, parce qu'une fois que tu choisis ici, en même temps, on a les informations sur les deux éléments. Ça nous permet de récupérer le nom et prénom du membre et puis de l'ajouter à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des années, on va faire 6 mois. 6, 6, ok, donc celle-ci. Et puis en bas, on aura le total. Ok, le choix du bon description. Tac, description, contenu. Donc, la colonne affichée, c'est le matricule. La colonne mémorisée aussi, c'est le matricule.
On va éditer les colonnes. Effectivement, on a ces deux éléments là. Maintenant, au niveau du code, une fois qu'on sélectionne une ligne, on va mettre SI nom prénom. On va dire la combo membre.nom prénom. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de membre. On a au moins une année de cotisation qui est disponible. Voilà, on peut mettre maintenant les différents montants cotisés par le membre en question. Maintenant, au niveau du total, le total, ça sera vraiment bon. Avant même de valider, on va voir les informations du total qui vont apparaître. Donc, tac, grisé. Ici, code. Bon, au niveau du code, je vais mettre une nouvelle procédure locale. Calcul total cotisation. Ajouter. Ça sera simple, hein. On a SI total va être égal à SI janvier plus février plus. On va récupérer ça en même temps pour coller. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et puis descend. Voilà, comme ça, à chaque fois que ça se modifie, à chaque modification, on pourra faire appel à ça. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Novembre, décembre. Donc, si je teste rapidement la fenêtre, ici il y a 10, 20, voilà. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, au niveau du code, on va s'assurer. Donc, si on dit si combo membre égale vide, alors on a une erreur qui va indiquer veuillez sélectionner le membre concerné. Sinon, si combo année cotisation égale vide, alors erreur
veuillez indiquer l'année concernée. Sinon, voilà, à défaut, on peut enregistrer les informations sans problème dans la base de données. Voilà. Je pense que la partie cotisation, c'est bon. On peut renseigner les membres. On peut choisir l'année de cotisation. Alors, il nous faut maintenant ajouter les différents membres. OK. Maintenant, pour l'ajout des membres, nous allons modifier notre fenêtre d'ajout des membres aussi pour l'adapter. Tac, là, je vais fiche membre. Je supprime tout. Tac. Description. Là, je vais mettre membre. En termes d'image d'icône, je tombe homme. Et je choisis celui-là comme membre. Et je vais agrandir. Alors, bon, on va aller rapidement dans la base de données des membres. Déjà, je vais récupérer la photo que je vais mettre ici, agrandir un peu. Mes photos, j'aime bien donner l'aspect rond pour le cadre. Voilà. Et juste en bas, je pourrais mettre mon bouton de sélection. Donc, ici, sélectionner, choix de la photo, je mets photo simplement. Voilà. Il y a un code spécial qui est là pour la photo, F select image. Alors là, on se fatigue pas, on choisit l'assistant, tac 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 tac, on valide. On aura maintenant img photo va être égal à S fichier. Voilà, tac, ici quand je clique, ça me permet d'aller sélectionner automatiquement ma photo. C'est très simple avec WinDev. Donc là, choix de la photo. Ensuite, je vais ajouter les autres éléments, le matricule. Tac. Bon, pour ce qui est de la catégorie, déjà le matricule il est obligatoire. Le prénom aussi obligatoire, F4. J'ai bien envie de rendre le contact aussi obligatoire. Voilà, comme ça, au niveau de la catégorie, nous allons ajouter création, un combo. Donc, lui va récupérer les informations. Les catégories uniquement. Oui, je le lis, un combo, membre, tag, catégorie. Et puis, je valide. Alors, je vais regarder rapidement au niveau de la description de la catégorie pour voir. Est-ce qu'il renvoie l'information retournée? Ok, donc là, je vais cocher et je dois aller faire la même chose dans la partie fiche cotisation. Donc là aussi, il faut s'assurer que ça renvoie. Voilà, nul si vide. Ici, tag description, retourner la valeur spécifiée. Vous ne voyez pas qu'il envoie des nombres, quoi. Voilà. Cotisation. Donc la configuration, je vais ajouter rapidement une catégorie. Ah, c'est on va dire bureau, une autre catégorie, membre simple.
valide. Là maintenant, quand je vais essayer d'ajouter des membres, je choisis la photo. Je vais donner des codes automatiques. Mais 1000 euros et je valide. Mes informations sont bien renseignées. Désormais, si je veux effectuer une cotisation, je peux choisir. Ici, il faut dire que les deux éléments sont là. Hein. Donc, on peut tirer comme ça. On visualise en mettant le nom et le prénom. Tac, j'ai fait une cotisation à 1000 francs pour janvier et je valide. Mes informations sont bien renseignées. Alors, l'autre élément au niveau de la cotisation, ce que je veux faire, c'est de faire de sorte à ce qu'on puisse modifier les informations directement ici. Donc, description de la table, surtout au niveau des montants payés. Donc, janvier, tac, en saisie. Je mets toutes les colonnes en saisie, sauf la colonne totale. Voilà. Je vais vérifier rapidement. Alors, l'autre élément, c'est qu'il faut mettre un code rapide, de sorte à ce qu'à chaque sélection d'une ligne, pas sélection d'une ligne, entrée en saisie, entrer en saisie d'une ligne de table cotisation. Bon, ici, moi, je vais mettre col total égale col janvier plus col. Bon, je fais la même chose, hein. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et décembre. Donc ici c'est plutôt juillet. Ok. Donc ici j'essaie de tester rapidement cotisation. Si j'ai mis ici par exemple 1000 total, donc, le total n'a pas changé, ce qui n'est pas normal. Par contre, si je fais ça, donc là, je vais essayer de changer un peu. Si on a une saisie, on saisit sur un nouvel enregistrement. Bon, je n'avais pas envie de mettre ça sur toutes les colonnes parce que. On s'arrive au même.
Jusqu'en décembre, 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 où vous mettez au niveau de colonne chaque modification, à chaque modification de temps, vous mettez. Alors donc, dans la prochaine étape, nous allons travailler sur le tableau de bord. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à la prochaine étape, à la troisième vidéo, nous allons travailler vraiment sur le tableau de bord. Alors, tu souhaites profiter du fichier, le fichier source ou le fichier installable. Choisis une offre, un niveau de souscription et obtiens le fichier source ou le fichier installable. Pour tous les niveaux de souscription, tous ceux qui vont souscrire à un niveau inférieur au niveau 3, c'est-à-dire don, merci pour tes tutos, niveau 1, niveau 2, vous allez bénéficier du fichier installable de l'application et en fonction du produit que vous allez choisir, d'un avantage exceptionnel. Pour le niveau 3, vous bénéficiez automatiquement du fichier source. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la possibilité de souscrire directement via YouTube. Pour les autres, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp dans les différents liens qui seront dans la description et on pourra échanger sur la possibilité pour vous d'obtenir le fichier source avec accès à tout le code. Je rappelle que l'application est développée en Windows 24 et donc est accessible à toutes les personnes qui ont des versions Windows 24 et plus. Alors, choisissez l'une des souscriptions. Ça peut être un don simple. Ça peut être juste merci pour le tuto niveau 1. Alors, pour tous ceux qui vont accéder, qui vont souscrire à la chaîne, c'est-à-dire pour soutenir mensuellement la chaîne, vous aurez droit à la suite de la vidéo qui va aborder la question des dépenses, des montants qui ont été cotisés, mais aussi des autres revenus tels que les dons ou les autres revenus liés à d'autres activités hors cotisation. Je vous invite massivement à vous abonner et surtout à souscrire à la chaîne pour son évolution. Merci. Alors maintenant que nous avons quasiment terminé avec les cotisations, les membres, puis la configuration, nous allons travailler maintenant sur le menu tableau de bord. Alors le tableau de bord, dans un premier temps, il va nous permettre de visualiser les montants cotisés sur l'année en cours pour tous les membres, sans distinction. On pourra ensuite effectuer un certain nombre de recherches, un certain nombre d'informations. Je pense que pas de souci. Alors, donc, la première des choses que je vais faire, c'est d'ajouter déjà un tableau de bord. Bon, j'ai bien envie d'ajouter un tableau de bord. Je n'ai pas aussi envie d'ajouter un tableau de bord. Je vais plutôt ajouter, faire une requête. D'accord. La première chose, c'est de faire une requête. Donc là, nous allons réaliser la requête. Tac. Une requête qui va nous permettre de récupérer pour chaque membre le montant total de ses cotisations de façon mensuelle. Donc là, nous avons cotisation. Donc on récupère quasiment tout hein, au niveau de la cotisation. Et on récupère aussi au niveau du membre l'information sur sa photo. Voilà, comme ça, on ajoute. Je vais faire monter ça un peu plus haut. Tac. Bon, l'idée de cotisation, ça ne nous intéresse pas vraiment. Par contre, on a la photo, le matricule et puis toutes les informations de cotisation du membre. Comme ça, c'est une requête. On va appeler ça REC. Cotisation membre. Donc ça, c'est une requête qui va se faire sur la base de la condition de sélection du matricule. Donc selon le paramètre, on va passer en paramètre une information, ce qui va nous permettre de vérifier, d'avoir le montant cotisé par
le membre sur toute la période, donc les gens, selon l'année aussi. Donc là, on va poser un filtre sur l'année, donc nouvelles conditions, aux paramètres. Voilà, c'est la première requête. Bon, en principe, les requêtes qui sont paramétrées attendent de recevoir les paramètres. Voilà. Donc ça, c'est la première requête. On a d'abord l'année et puis on a le membre. Ça, c'est la requête cotisation membre. Je vais modifier la description pour mettre cotisation membre selon l'année. Tout simplement. Voilà. Et puis je fais la même chose. Je vais dupliquer la requête. Tac. Je vais aller dans la liste. Voilà, je vais dupliquer la requête. Je vais dire cotisation. Alors, on ne peut pas dupliquer la requête. Pourquoi? Bon, cotisation selon année simplement. Là, on fait fil de membres pour avoir toutes les informations de façon groupée. Alors, il y a une erreur qui est survenue. C'est bizarre puisque ça apparaît. Là, je vais tester pour voir. Bon, on n'aura pas d'informations sur les matricules. L'erreur qui est apparue, bon, c'est pas vraiment une erreur. Je pense que malgré tout, ça fonctionne. Seulement que ici, je vais supprimer la condition. Donc là, je supprime la condition. Comme ça, j'ai toutes mes informations qui sont là. Ok, donc ainsi, je vais aller rapidement dans ma fenêtre du tableau de bord. En fait, ce que j'ai envie de voir, c'est déjà ici le montant total des cotisations effectuées. Le montant total des cotisations effectuées. On peut rechercher le montant cotisé par un membre. Et puis, le montant total des cotisations effectuées pour le mois en cours. Donc, le mois en cours, on va récupérer l'information du mois en cours selon si on est en janvier, février, en fonction de la date en fait. Voilà. Donc là, le montant total des cotisations pour l'année, le montant total des cotisations pour le mois en cours. Maintenant, filtre recherche, rechercher le montant cotisé par un membre. Donc ça, on peut faire ça, mais on peut aussi laisser et puis visualiser directement les informations sur les différentes cotisations qui ont été effectuées par les membres. Et puis, bon, peut-être juste en haut, mettre les informations par rapport aux cotisations, tout simplement. Alors là, j'hésite en ajouter un champ disposition et puis un champ tableau de bord. L'idéal serait d'ajouter un champ tableau de bord. Comme ça, on peut facilement intégrer. Mais aussi, le problème, c'est qu'il faut après, dans les paramètres, changer. Donc là, moi, je vais prendre un champ de disposition. Je vais prendre une disposition horizontale que je vais ajouter là. Tac. Ici, je réduis un peu. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais ajouter une zone répétée. Non, ma zone répétée, je vais l'ajouter juste en bas. Cette zone répétée va me permettre d'afficher les informations provenant d'une requête. Donc, la requête qui sera affichée ici, c'est la requête cotisation selon année. Voilà, je vais ajouter vraiment toutes les informations. Je n'ai pas envie d'ajouter tous les détails. Je vais juste prendre. Tac, la photo, le matricule, le nom et le prénom et le montant total de la cotisation du membre. On pourra ensuite ajouter un petit bouton qui va permettre de visualiser les détails. Voilà, par rapport au membre en question. Tac. Tac. Nombre de colonnes. Bon, pour l'instant, je vais aller au moins à 4 colonnes d'abord. Sinon, après, ce que je vais faire, c'est de faire de sorte à ce que ça soit illimité. Tac.
et on a toutes nos informations qui apparaissent. Là, je réduis un peu et on est bon. Bon, je crois que c'est allé un peu trop loin, hein. Aller un peu trop loin, donc je vais réduire. Ça, c'est une question de mise en forme maintenant. Je vais réduire au maximum. Tac, je ferme ça. Je ferme. Et je l'ouvre à nouveau. Voilà les informations qui apparaissent. Donc, on a le matricule, on a le nom et prénom, et on a le total. Ok, bon, tout ça, moi je vais enlever. Au niveau de la photo, d'accord, tu as agrandi un peu. Tac, description. Je vais plutôt prendre un style au niveau du cadre. J'aime bien le rond. Voilà, comme ça, bon. Maintenant, il faudrait que ça prenne l'image prenne tout l'espace. Voilà. Ils ont mis centré, mais bon. Je préfère étirer. Voilà. Bon, comme ça. Ensuite, nous allons mettre les informations concernant le matricule, le nom et prénom, et puis le montant cotisé pour l'année. Alors, matricule. Nom et prénom, puis cotisation. Et nous allons ajouter un bouton plus de détails. Ici, je vais mettre le matricule. Ensuite, nom, prénom. En fait, j'ai fait exprès d'aller dans la description pour ne pas qu'il change le libellé. Donc là, on a nom et prénom. Ici, le montant cotisé. Montant total cotisé. Montant total cotisé sur l'année. Tac, tac. Donc là, je vais prendre les trois éléments là. Une, deux et trois. Pour changer un peu le style. Bon, malheureusement, on me demande de prendre seulement qu'un seul. Là, je prends le matricule. Style. Au niveau du libellé, je vais prendre ça, le condensé 10, pourquoi pas. Voilà. Et puis, j'ai réfléchi au niveau de la couleur. Là, je vais prendre le bleu ou le bleu pur. Donc, là, je change un peu. 12. Maintenant, au niveau de ces éléments-là, tac, on lui a agrandi un peu. Hein. Donc là, nous avons le matricule. Ici, le libellé, ça va me libeller matricule. Matricule. On va le lier à ça. Voilà.
là, au matricule, bien évidemment. Ensuite, nous avons le nom et prénom. Lié au nom et prénom, donc là, nom et prénom. Ensuite, nous aurons. Merci, nom et prénom. Alors, au niveau du nom et prénom, nous allons mettre un test. Multiligne, tac, au niveau du style. Pour l'instant, je vais laisser le style comme ça. Et enfin, nous avons les montants cotisés sur l'année. Donc, tac, description, montants cotisés. Donc, montant cotisé, bon, là, on va mettre 0, puisque ça sera du numérique, du monétaire même. Et je fais la liaison avec le total. On se rappelle que le total, il est calculé automatiquement. Autre élément, c'est que même si c'est 0, il faut l'afficher. Voilà, et à gauche en plus. Tac. Donc, on est bon. Bon, au niveau du nombre de fenêtres à afficher, au niveau du détail, on va plutôt mettre ancrage des colonnes verticales, mode d'affichage, largeur et nombre de colonnes variables. Nombre de colonnes variables, nombre de colonnes variables, largeur variable, nombre de colonnes variables. Donc c'est plutôt largeur des colonnes variables, non? Nombre de colonnes variables à gauche. Nombre de colonnes variables est centré. Alors je prends ça. Bon, pour l'instant, si je teste, il n'y a pas grand chose. Aucune information ne s'affiche. C'est pas bien grave. Alors ici, ce qu'on va faire, nous allons mettre un combo qui sera lié à l'année. Donc année cotisation. Bon là, on coche uniquement que l'année parce que c'est ça qu'on recherche. Année cotisation, tac tac, non, pas lié, autoriser la saisie, non. Donc, année active, année de cotisation. Mais choix de l'année, tout simplement. Bien évidemment, je vais mettre ça en blanc. L'année, taille 12, couleur de police blanc. Au niveau du détail aussi, retenez, voilà. Bon, ça c'est bon. À chaque fois qu'une ligne est sélectionnée, donc on aura un REC, cotisation selon membre, point, param, année, égale, combo, année cotisation, DAC, zone, répéter, affiche, DAC courant bandeau.
On teste à nouveau pour voir. Tac. On a une seule personne. Matricule, tac, nom et prénom, montant. Donc là, si on avait vraiment des dizaines et des dizaines de membres, on allait voir un peu comment cela allait s'afficher. Alors, l'objectif, c'est de faire de sorte à ce que lorsqu'on clique sur plus de détails, ça nous permet de visualiser pour le client en question toutes les informations sur les montants qu'il a cotisés de façon mensuelle. Et ça, on pourra le voir soit dans un tableau ou soit dans un dashboard. Voilà, soit dans un dashboard pour voir s'il est constant ou pas. Bon, je dis dans un dashboard, dans un état plutôt pour pouvoir imprimer après l'état. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme une petite carte du monde en fait. Donc ici, on aura vraiment toutes les informations. En haut là, on aura les informations sur le montant total cotisé. Le montant total cotisé sur toute l'année. Et puis, le montant total des cotisations sur toute l'année, le montant total des cotisations sur le mois en cours. Ici, le mois en cours, on aura la liste des mois, 7 évidemment, et le mois en cours sera celui en cours. Voilà. Parce que ici, par exemple, nous sommes en novembre, donc le mois en cours sera novembre. Par contre, l'utilisateur pourra filtrer, sélectionner, puis filtrer pour voir un peu les informations sur le mois en fait. Voilà, là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est ce que je disais ici, tag description. Je vais ajouter une, deux et trois. J'ajoute trois éléments. Donc, je vais essayer de les agrandir. Là, on a le premier, montant total de cotisation sur l'année, montant total de cotisation sur le mois sélectionné. Et puis ici, ça va nous permettre de faire un filtre sur un client donné. Et on avait fait un focus sur un client donné, donc là, ça va nous permettre de faire un focus sur le client en fait. Aussi, à ce niveau, plus de détails, description, IHM, on va essayer de mettre un curseur, main système, voilà. Et plus de détails va permettre de générer la requête. Donc, on aura ici REC. Cotisation selon mon point par année est égal année cotisation, combo année cotisation. La même chose, REC point par matricule va être égal à ZR REC cotisation selon année point libre matricule. Ainsi, on pourra donc exécute requête avec cotisation selon moi. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a exécuté cette requête, on pourra maintenant afficher alors je vais pour tout. Cotisation sur le monde dress voilà tout ça hein, janvier alors, je mets janvier seulement juste pour faire un test. Là, je choisis l'année. Voilà. Ça me donne l'information sur ce qu'il a cotisé. Bon, ici, ce qu'il faut dire que c'est une seule ligne. C'est une seule ligne. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire pour tout colonne? Si on a pour toute ligne, mais je vois pas pour toute colonne. Bon, si on n'a pas pour toute colonne, c'est pas bien grave.
Sinon, on aurait fait Chris. On a combien de colonnes au total pour les règles? 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on va partir à 14. En fait, je veux voir le rec à combien de colonnes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, on va mettre I égale à 2 à 16. Chris Bon, c'est pas grave. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Puis décembre. Tac, la fiche. Je récupère l'année. Voilà, ça me permet de visualiser les informations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. En principe, il doit avoir seulement qu'une seule ligne. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît plusieurs fois. Attends, je vais regarder. Ah, c'est parce qu'il y a mis de 2 à 16. On n'a plus besoin de ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que nous on souhaite faire, c'est de pouvoir afficher dans un premier temps l'ensemble des cotisations sur l'année en cours et puis sur l'année sélectionnée, effectivement, et aussi le montant des cotisations pour le mois en cours. Voilà, le mois en cours, c'est forcément le mois, ça sera le mois dans lequel nous sommes. Donc, si nous sommes en novembre, il faudra afficher les informations du mois de novembre. Et ça donne en même temps l'information sur toutes les cotisations qui ont été effectuées à le membre. Après, on pourra voir est-ce que on pourra rentrer dans les questions de taux pour évaluer le taux de cotisation parce que il y a le montant qui est attendu. Le montant qui est attendu qui est égal à la somme des montants que doit payer chaque membre
sur au cours de l'année, mais au cours du mois, et puis on a le montant qui a été versé, qui est le montant qui a été donné par les agents. Ok? Mais pour l'instant, on ne peut pas se s'embrouiller. Nous allons d'abord commencer par faire le plus simple. Le plus simple. Un bleu en couleur de fond, voilà, pour que ça soit un peu plus visible. C'est un peu le problème avec ce genre de truc. Bon, pas bien grave. Donc, je prends ça. Tac, tac. Alignement. Voilà, on va mettre le même alignement. Ok, je pense que je vais changer un peu les positions. Tac, tac, tac. Ça, je vais rendre ça vertical. Je vais plutôt prendre une position verticale. Pour celui-là. Je pense que comme ça fera l'affaire. C'est mon choix personnel. J'ai agrandi comme ça. Voilà, comme ça à gauche, nous aurons les statistiques globales. Et à droite, on aura les informations. Comme ça, ça va. Donc là, il met 140. Lui aussi ici, 140. Et enfin là, 140.
Oui, un espace ici. Parce qu'on a mis centré. Donc, ici, je n'ai pas envie d'avoir trop d'espace aussi. Hein. Donc là, au niveau du détail, je vais plutôt choisir le nombre de colonnes par exemple à gauche. Voilà, comme ça c'est bon. Là, on a toutes les informations à droite. Et ici, on a l'information de façon globale. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter à ce niveau? Ce que je vais ajouter, c'est déjà ce que j'ai mis. Cotisation totale sur l'année. Montant total des cotisations sur l'année. Montant total des cotisations sur l'année. Mettre cotisation annuelle. Petit en haut ici, tac. Point de cotisation annuelle.
point de cotisation annuel. Tac, ici, je mets le montant global de cotisation. Bon, après, s'il faut mettre attendu, avec ça. Objectif. Réaliser. Bon, ici l'objectif, ça sera tout ce qui était prévu, hein. Maintenant, le réaliser, c'est tout ce qui a été fait. Voilà, je pense que on sait plus ou moins comment ça se passe. Description, donc objectif annuel, pour l'instant 0, on va mettre en monétaire IHM. Tac, on va appliquer le même principe ici aussi, ça passe pas ici. Ça c'est réalisé. Réalisation. C'est l'objectif. Bon, lui, j'ai pas fait trop blanc. J'avais peut-être un peu de gris. On va le réaliser là, on le rend un peu plus pur, un peu plus court. Maintenant, après, on pourra mettre le pourcentage de réalisation. En fait, l'idée, c'est déjà de visualiser les informations ici. Une fois que tac, c'est récupéré, c'est vrai qu'on a récupéré les informations au niveau de son. Répéter. Donc, réalisation cotise un monétaire. Et là, on va mettre maintenant pour tout avec cotisation membre selon année. Bon, lui-même, d'abord, on va l'initialiser à 0. Tac, égal 0. Et il va être égal à lui-même plus le total des cotisations membres. Point call. Mais point total. Et enfin, on aura lib
réalisation égale à ça. Alors, si je teste rapidement, que je choisis l'année, bon, ici c'est sorti RE. Je sais pas pourquoi ça sort RE. Je regarde rapidement. Ah, ouais. Au dépend de ça, j'ai pris plutôt REC, cotisation sur le membre. Je reprends à nouveau 3000. Bon, on a eu seulement qu'un seul cotisant, hein, donc c'est normal. Par contre, si j'essaie d'ajouter un nouveau membre, ajouter un nouveau membre, affaissir, contact, 151, 104, 104. La catégorie est obligatoire. Lui, il a cotisé, par exemple, 1500. Bon, il est membre simple, donc je vais mettre 500 euros par mois. Ici sont les cotisations mensuelles. Bon, je peux toujours modifier pour aller choisir, pour aller sélectionner une photo du membre. Et je valide. Alors, au niveau des cotisations, vous pouvez ajouter la cotisation d'affaissi. Ici, on peut agrandir. Année de cotisation 2022. Janvier 500. Bon, on va cotiser en février. Ici, 500. Nous sommes en novembre. Donc là, 500. En novembre aussi, il a mis 500. Quand je reviens ici, bon, le souci c'est que je dois fermer. En principe, une fois que je reviens, ça doit actualiser. Mais c'est pas grave. Je vais voir tout ça dans peu de temps. Là, tac. Vous voyez ici, lui, il a cotisé au total 2000. Là, moi, j'ai cotisé au total 3000. Donc, on aura au fur et à mesure les informations par rapport au membre qu'on cotise. Donc là, je peux sélectionner, je vois un peu le détail de ses cotisations. Le détail de ses cotisations va apparaître, ça va apparaître dans un tableau et puis l'utilisateur pourra imprimer. Alors, tout ça sera basé sur le montant total qu'il doit cotiser effectivement et puis on verra ensemble l'objectif annuel. L'objectif annuel, ça sera de parcourir la liste de tous les membres pour voir un peu le montant à cotiser. Le montant à cotiser qui sera multiplié par 12, tout simplement. Ça, c'est le montant à cotiser mensuel. Le montant mensuel à cotiser. Après, on pourra bien modifier pour voir un peu. Voilà. Ça, c'est le montant mensuel à cotiser. Ok, donc là, l'idée, c'est de pouvoir parcourir l'ensemble des montants à cotiser et de les multiplier par 12. De faire la somme, et puis voilà, donc on aura ici. Le montant total attendu, ok, sur l'année. Alors là, si j'essaie de faire un calcul assez rapide, donc là, c'est la récupération du réalisé. Récupération du réalisé annuel. Ici, on va mettre récupération de l'objectif annuel. Donc là, on a réalisation, tac, on va mettre ici. On va mettre ici, tac, objectif, cotisation annuel et monétaire. Donc on a mot objectif égal 0. Ici on va parcourir le fichier des membres. Donc pour tout membre, tac égal à ça plus membre
Ouais. Montant cotisation. Ici, il faut préciser que le montant de la cotisation, c'est mensuel, multiplié par 12. Puisqu'on est dans l'année, on multiplie par 12. Ainsi, on pourra mettre maintenant libre objectif annuel égal CAC. Regardez rapidement, libre objectif annuel. Là, ici, est choisi. En termes d'objectif annuel, on a 18 000 et en termes de montant réalisé, on a 5 000. Donc, ça veut dire qu'on a réalisé 5 000 sur 18. Taux de réalisation, je vais ajouter le taux de réalisation. Là, tac. Taux de réalisation. On lui a le rendre un peu plus grand. En ce moment, numérique. Numérique réel. En pourcentage. Par contre, la taille, je vais augmenter la taille. Je vais mettre peut-être à 16, je pense que c'est bon. Tac. La couleur de police, je vais prendre du jaune. Donc on a 6 MO objectif égal à 0. Alors, on a libre taux de réalisation va être égal à 0. Sinon, libre taux de réalisation va être égal à réaliser tac. Divisé par objectif. %27 en termes de taux de réalisation pour la cotisation annuelle. On a le point de la cotisation annuelle. On aura aussi le point de la cotisation mensuel pour le mois en cours. Point de la cotisation mensuelle pour le mois en cours. C'est vrai que pendant que j'y pense, je vois qu'on peut aussi ajouter. En fait, le souci ici avec le montant total cotisé sur le mois pour les membres, ça sera aussi intéressant. Mon montant de la cotisation sur l'année, c'est plus parlant. Par contre, pour le mois en cours, quand on va cliquer sur les détails, on pourra voir. Ensuite, on pourra visualiser ici le taux de réalisation. Peut-être c'est ça qu'il faut faire, c'est de regarder le taux de réalisation pour essayer d'estimer le reste à cotiser. Reste à cotiser, on pourrait mettre le reste à cotiser qui est le montant total à cotiser moins ce qui a déjà été cotisé. Et puis on va enfin définir un taux de réalisation en termes de cotisation. Ça, je pourrais mettre ça peut-être quelque part ici. Le taux de réalisation, on va mettre ça ici. Voilà, quelque part ici pour dire il a atteint tel pourcent de son niveau de cotisation au cours de l'année, parce que tout sera fait de façon annuelle. Les détails vont nous permettre de visualiser l'information de façon mensuelle.
Donc, on a 27,8% en termes de niveau de réalisation. Alors, on peut faire encore plus, hein. On peut faire plus parlant. On peut faire plus parlant en ajoutant, voilà, en ajoutant, tac, un niveau de progression. Je vais ajouter 7. Attends, je vais voir les différents types de jauge. Jauge aiguë. On va prendre la jauge aiguë. Jauge aiguille. Bon, la jauge aiguille ça se comporte de la même manière que la jauge normale, hein, seulement que c'est circulaire, c'est tout. Donc ici on va mettre jauge taux réalisation 0, 100. Donc je pense que ça, tac, il va suffire juste de mettre donc, jauge taux réalisation égale, je récupère les mêmes informations qui sont là. C'est 0, c'est bizarre quand même. On multiplie par 100 en fait. On multiplie par 100. On multiplie par 100. Bon, l'autre élément que je constate, c'est que tu commences à être un peu trop petit. Ah, je vais l'agrandir un tout petit peu. Pour ça. Bon, au moment de s'afficher, ça doit être 0, hein. C'est à 0, tout est à 0, et là, tag 27%.
Donc, passons maintenant au point des cotisations mensuelles. Point des cotisations mensuelles. Donc là, c'est la même chose. Tac. Bon, ici, je peux réduire un peu. Là, j'aime pas. Je vais ajouter encore un autre super champ à l'intérieur. C'est un peu mon problème avec les champs de disposition parce qu'on ne peut pas voir bien les limites, ce qui fatigue un peu. C'est pas grave, je vais mettre ça comme ça. Voilà la couleur que je peux mettre. Je vais mettre une couleur de fond. Et bien, plus du bleu. Je vais mettre du vert. Du vert. Donc là, point des cotisations mensuelles. Donc là, on a objectif réalisé, taux de réalisation. Bon, je vais tester rapidement pour voir comment ça va apparaître. Ok, c'est bon. En fait, l'idée, c'est d'avoir en même temps le point des cotisations annuelles, celle que sur l'année, et puis le point des cotisations mensuelles. Et ici, tac, quand on sélectionne, on a l'information sur l'ensemble des montants cotisés par les membres. Et on peut avoir en même temps l'information sur les cotisations mensuelles. L'ensemble des cotisations cotisées par les membres, puis on a la cotisation, les cotisations mensuelles, on pourra sélectionner le mois en fait, le mois concerné. Voilà, concerné. Le janvier jusqu'à décembre avec l'année. Bon, pour le mois concerné, je vais mettre une liste déroulante qui va permettre à l'utilisateur de choisir le mois. Par contre, par défaut, on va avoir le mois en cours. Par défaut, on aura le mois en cours. Alors, tu souhaites profiter du fichier, le fichier source ou le fichier installable, choisir une offre
un niveau de souscription et obtient le fichier source ou le fichier installable. Pour tous les niveaux de souscription, tous ceux qui vont souscrire à un niveau inférieur au niveau 3, c'est-à-dire dont, voici pour tes tutos, niveau 1, niveau 2, vous allez bénéficier du fichier installable de l'application et en fonction du produit que vous allez choisir, d'un avantage exceptionnel. Pour le niveau 3, vous bénéficiez automatiquement du fichier source. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la possibilité de souscrire directement via YouTube. Pour les autres, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp dans les différents liens qui seront dans la description et on pourra échanger sur la possibilité pour vous d'obtenir le fichier source avec accès à tout le code. Je rappelle que l'application est développée en Windows 24 et donc est accessible à toutes les personnes qui ont des versions Windows 24 et plus. Alors, choisissez l'une des souscriptions. Ça peut être un don simple. Ça peut être juste merci pour le tuto niveau 1. Alors, pour tous ceux qui vont accéder, qui vont souscrire à la chaîne, c'est-à-dire pour soutenir mensuellement la chaîne, vous aurez droit à la suite de la vidéo qui va aborder la question des dépenses, des montants qui ont été cotisés, mais aussi des autres revenus tels que les dons ou les autres revenus liés à d'autres activités hors cotisation. Je vous invite massivement à vous abonner et surtout à souscrire à la chaîne pour son évolution. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec les cotisations mensuelles. Pour ce qui est des cotisations mensuelles, actuellement nous sommes en novembre, donc le mois en cours sera le mois de novembre. Ok, par contre, je vais laisser la possibilité aux utilisateurs de pouvoir parcourir, de pouvoir changer de mois à l'intérieur de l'année. Voilà, comme ça, ils pourront voir les informations concernant les cotisations pour le mois en fait, pour le mois de leur choix. Alors c'est tout simple. Ici, nous allons ajouter un combo box. Donc, tac. On ajoute un combo quelque part là. Ce sera rempli par programmation. Non, on ne le lit pas. Tac. Alors je vais mettre janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, novembre et décembre. Moi, je peux toujours mettre ça, il n'y a pas de problème. Tac, ça c'est moi. Et ici aussi, on a le moi. On vient faire descendre un peu ceux qui sont là. Là, on a le point de cotisation mensuelle. Là, on choisit le mois. On savait que c'est un peu trop. Le fait de descendre un peu encore. Alignement. Ici, c'est une question de mise en forme, mais je pense que chacun est quand même rodé pour faire la mise en forme de son choix. Ça veut juste une mise en forme. Bon, le libellé du mois, là, je vais laisser. J'ai bien envie de laisser ça comme ça, en noir pour ne pas, parce que c'est pas sur ça que je veux mettre l'accent. Par contre, je laisse au niveau de la sélection, comme ça, on est bon. Tac. En principe, la sélection de la ligne, à l'initialisation, donc, liste, affiche.
Select occurrence champ moi figure moi en cours. Attends, je vais voir si ça va pas, va passer. Non, ça ne passe pas. Bon, ici, ce qu'on va faire, select moi. Je vais vérifier un truc rapidement. On a même moi qui va être égal à la gauche. Date. Mon date système virgule 6, ça c'est 1. Donc moi lui on va le déclarer en tant que numérique. Et ici info ok. Donc alors ici au lieu de faire gauche seulement, on va plutôt faire gauche et puis droite. Donc droite, on récupère droite de gauche, virgule 2. Et ici je mets plutôt val pour qu'il me prenne la valeur numérique du chiffre qui sera de l'information qui va revenir. Ça veut dire que par contre, si je me mets par exemple ici en janvier, je considère que nous sommes à la date du 1er janvier par exemple. Je vais modifier, tac, ajuster la date et l'heure. En fait, c'est juste pour faire un test, hein, pour vérifier comment il va afficher la date du jour. Modifier manuellement. Aujourd'hui, je vais considérer que nous sommes encore. Je peux mettre juillet. Voilà, je modifie. Voilà, nous sommes au 14e mois. Là, je vais tester pour voir quelle information va m'envoyer. Ah, il m'envoie le 6. Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Donc là, c'est bon. Ok, donc numéro mois va donc être égal à val de tout ça. Tout simplement. On peut supprimer. Comme ça, on est sûr qu'on a une valeur numérique. Maintenant, puisque ici j'ai déjà l'ensemble des informations, janvier, février, mars, ainsi de suite, donc on va utiliser le select selon select case en VB, mais ici ça sera selon. Donc tag code, donc selon num moi. Ça, je peux le faire rapidement ici. Donc on a K1, K2. Donc, je vais faire ça rapidement sur Excel.
Donc ici, je vais coller ça ici. Tac. On a K1 jusqu'à K12. Voilà. Et ici, on va mettre combo moi. Voilà ça, concaténer. Ok. K2. Ensuite, 3. J'oublie octobre, août, septembre, octobre. K11 novembre et enfin K12 décembre. Ok, je vais vérifier rapidement à l'intérieur. Est-ce que j'ai ajouté? Ah, j'ai pas ajouté octobre. Non, je mets octobre. Détail, le pneu si vite. Alors, on va tester pour voir est-ce que ça va passer. Voilà, nous sommes en juin, effectivement, ça nous affiche juin. Donc là, je vais modifier rapidement. Nous sommes en novembre. Si j'affiche à nouveau, voilà, nous sommes en novembre. Donc, lui maintenant, ce qu'il va nous permettre de faire, alors ici, code à l'initialisation liste affiche
Quand vous année cotisation, virgule, tape courant premier. Je vais voir comment ça va se comporter. Pourquoi? Il y a une erreur. Il y a une jusqu'en 4 erreurs. Objectif mensuel. Réalisation mensuelle et taux de réalisation mensuel. Donc là, si j'affiche, on voit que 2022 s'affiche, mais l'information n'est pas prise. C'est pas bien grave. Exécute. Directement. Combo on change OK. Donc là, le traitement se fait automatiquement et on a toutes nos informations. En fait, ici, pour que le traitement puisse se faire automatiquement, d'abord, je récupère l'information par rapport au temps courant premier. Dans le temps courant premier, c'est le premier de la liste de notre combo. Et ensuite, j'exécute le traitement de sélection. Voilà. Maintenant, dans le traitement de sélection, nous allons récupérer cette information. Un traitement de sélection ici, bon, c'est vrai qu'il a affiché le mois automatiquement, mais je vais prendre ça, tac tac tac, j'ai envie de mettre le code directement dans le combo mois comme ça. La sélection d'une ligne. Bon, là, je vais rapidement revenir ici. Dans les select case, comme pour moi, on va mettre 4. Mais c'est la question selon combo moi. Ah, je ne vais pas tirer, c'est pas bon.
Donc, 4 janvier. En fait, pour les cotisations mensuelles, c'est un peu plus complexe vu comment est-ce que les éléments sont disposés. Et par exemple, on sera obligé de faire ça autour 12 fois. En plus, on sera obligé de faire ça 12 fois. Hein. Un peu du genre. On aura nos variables, évidemment, réalisation, ou bien objectif mensuel, virgule, réalisation mensuelle. Et bon, je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire mieux, hein. Alors, il y a toujours la possibilité de faire mieux, mais bon, pour la circonstance, nous serons obligés de faire un peu de cette manière, puisque tel que le tableau il est disposé, il ne nous laisse pas trop le choix. Ah, tac, on fait déjà pour janvier, donc pour tout membre, objectif mensuel va être égal à membre point montant cotisation. Donc objectif mensuel va être égal à objectif mensuel plus membre point cotisation. Mais bon, à ce niveau-là, je pense que là c'est valable pour tout le monde. Donc là, on n'a pas besoin de mettre ça au bout. C'est valable pour tout le monde. Pour l'objectif mensuel, il est le même, il est valable pour tout le monde. Maintenant, ce sont les réalisations mensuelles qui vont peut-être nous fatiguer parce qu'au niveau des réalisations mensuelles, est-ce qu'on aura besoin encore d'exécuter la requête puisque la requête est déjà exécutée. Donc, si la requête est déjà exécutée, on va dire pour tout REC. Cotisation selon année, tac, fin, on va mettre réalisation mensuelle égale réalisation mensuelle plus REC, cotisation selon année, point janvier. Voilà. C'est un peu ça qui sera la difficulté. Janvier, ensuite on fera la même chose. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Septembre, octobre, novembre et puis décembre.
Donc là, on aura octobre. Août, juillet, juin, avril, mars, janvier, février, mars, avril. On a mai aussi qui a sauté. Février, mars, avril, ah non, c'est plutôt là. Donc ici, c'est plutôt mai. Voilà. Donc là, on met le mois de mai. Je pense que avec ça, on est tout bon. On est tout bon. On pourra maintenant ajouter, tac, libre. Objectif mensuel égale mot objectif mensuel. Et libre réaliser réalisation mensuelle égale à mot réalisation mensuelle. Là, je vais tester rapidement en janvier. Voilà, objectif 1500, réaliser 1500 en février, en mars, objectif 1500, réaliser 500 en mai, tac. Voilà. Donc janvier, les deux ont cotisé en janvier, lui il a cotisé 500, ici aussi il a cotisé les 1000 francs. Donc en termes de réalisation, on aura donc les éléments qui sont là. Je regarde rapidement, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, il a cotisé 1000 francs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc on doit avoir en juillet 1000 francs en termes de réalisé. Et puis 1500 en termes d'objectifs. Déjà, c'est déjà tout bon. Alors là, donc à ce niveau, ce qu'on va faire maintenant, c'est le taux de réalisation. Donc le taux de réalisation, je vais ajouter une valeur numérique. Taux réalisation mensuel est numérique. Donc on a 6 mots objectif mensuel, non, ouais, égal 0, alors lui il va être égal aussi à 0, sinon il va être égal à mots réalisation mensuelle divisé par mot objectif mensuel. Bon, je n'ai pas besoin de ça, de mettre, mais c'est juste de mettre le libellé. Donc, lib taux réalisation mensuelle. Bon, ici, je constate qu'il y a une petite, un petit message qui est là. Le champ libellé est trop petit pour afficher la totalité de la chaîne. Ouais, le champ qui est petit par mesure tout à l'heure.
côté 500 dollars. Ça me supprimait un peu. Ok, je pense que là, c'est tout bon. C'est tout bon. Attends, je regarde. Ça n'exécute pas. Par contre, je vais faire exécuter combo moi sélection. Ok. Après ça, je fais exécute. Ok, donc là je vais ajouter juste le traitement lié au mois. Et puis donc comme ça, quand j'affiche, normalement j'ai tout mon traitement qui est là. Voilà. Donc ça m'a permis de faire le traitement en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau du mois de novembre, en termes d'objectif 1500, en termes de réalisé 500, et puis le taux de réalisation il est de 33,3%. Par contre, au niveau annuel, nous sommes pour l'instant à 27,8% en termes de taux de réalisation. On peut toujours ajouter des membres. Voilà. Maintenant, l'autre élément, c'est que il faudrait actualiser à chaque fois le tableau de bord. Lorsqu'on vient au niveau du tableau de bord, il faudrait qu'on puisse l'actualiser. Là, nous avons la gestion des membres, la gestion des cotisations, la configuration. Ici, il faut qu'on l'actualise. Et qu'une fois qu'on a renseigné un membre, on a enregistré une certaine cotisation. Pour la cotisation, puisque si pour une année donnée, on a déjà une information par rapport à la cotisation, on n'a plus besoin d'ajouter encore. Voilà. Et on fera en sorte que le matricule soit automatique. On fera en sorte que le matricule soit automatique. Ici, on visualise les détails des cotisations. Donc pour les détails des cotisations, on va voir ensemble. Alors l'idée c'est de faire de sorte à ce que on ait effectivement, une fois qu'on sélectionne, on va avoir le libellé, le matricule, le nom, prénom et le montant de l'acte cotisé par l'utilisateur et les détails de sa cotisation qu'on pourra imprimer. Donc ici, on va ajouter une nouvelle fenêtre. On va ajouter une nouvelle fenêtre. Tac. Cette fenêtre, ça sera la fenêtre détail des cotisations du membre. Open détail
les cotisations de membres. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, hein. HM, date de cotisation de membres en termes d'image. Bon, je vais juste en termes de d'icône, je vais juste ajouter un plus. Bon, je rajoute ça. Pas grave. Nommer. Bon, j'aime pas trop que ça soit redimensionnable. Ça sera pas un grand truc, hein, c'est juste un petit élément de ce type. On aura donc la photo du membre et les différents détails qui sont là. Donc là, on va afficher le matricule, le nom et le prénom, et puis et ici on va ajouter détail des cotisations du membre au cours de l'année. Voilà, en fonction de l'année qui sera choisie, qui aurait été choisie de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Des cotisations du membre au cours de l'année. Bon, je mets par exemple 2022, juste à titre indicatif. Là, c'est le bleu, et en termes de le libellé, c'est on va mettre ça en blanc. Tac. SH en mettant un 14. Alors, tu souhaites profiter du fichier, le fichier source ou le fichier installable, choisis une offre, un niveau de souscription et obtiens le fichier source ou le fichier installable. Pour tous les niveaux de souscription, tous ceux qui vont souscrire à un niveau inférieur au niveau 3, c'est-à-dire dont, merci pour tes tutos, niveau 1, niveau 2, vous allez bénéficier du fichier installable de l'application et en fonction du produit que vous allez choisir, d'un avantage exceptionnel. Pour le niveau 3, vous bénéficiez automatiquement du fichier source. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont la possibilité de souscrire directement via YouTube. Pour les autres, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp dans les différents liens qui seront dans la description et on pourra échanger sur la possibilité pour vous d'obtenir le fichier source avec accès à tout le code. Je rappelle que l'application est développée en Windows 24 et donc est accessible à toutes les personnes qui ont des versions Windows 24 et plus. Alors, choisissez l'une des souscriptions. Ça peut être un don simple. Ça peut être juste merci pour le tuto niveau 1. Alors, pour tous ceux qui vont accéder, qui vont souscrire à la chaîne, c'est-à-dire pour soutenir mensuellement la chaîne, vous aurez droit à la suite de la vidéo qui va aborder la question des dépenses, des montants qui ont été cotisés, mais aussi des autres revenus tels que les dons
ou les autres revenus liés à d'autres activités hors cotisation. Je vous invite massivement à vous abonner et surtout à souscrire à la chaîne pour son évolution. Merci.